Bonjour mes frisons, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes là en direction de Aunès-la-Hari, donc là nous sommes presque à Aunès, parce que c'est une commune divisée. On est à peu près pour ma reine à moitié chemin, même pour moi, donc je me suis arrêtée sur un endroit, un chemin, je vous montre ça. Voilà, vous voyez au fond là-bas, c'est ce chemin tranquille. On n'est pas dans la forêt, parce que c'est interdit. Mais j'ai parqué Sylviane près d'un poteau électrique au soleil. Et j'ai étendu la tente de ma reine et son tapis de sol pour que ça finisse de sécher. Parce que nous avons eu pas mal d'humidité cette nuit. Donc voilà, ce petit bonjour pour vous dire où nous en sommes. Moi, côté vidéo, eh bien écoutez, je crois que j'ai une vidéo de retard sur ma reine, enfin une journée seulement. On les fait pas tout à fait pareil, on les fait différemment. C'est bien pour vous et puis pour mes nouveaux abonnés aussi. Bonjour. Voilà, c'est le chemin. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, on fait nos vidéos complètement différemment, ce qui fait que à chacun des abonnés va trouver ce qui lui plaît, que ce soit sur la chaîne de Gina ou la mienne. J'ai un petit peu de retard par rapport à Gina, mais c'est pas grave, je vais vite rattraper. Je vous l'avais dit que entre les réseaux et l'électricité, c'était pas toujours simple. Je tenais aussi à remercier profondément tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés et qui me font des messages si gentils, si chaleureux. Je vous en remercie profondément. Ça me touche beaucoup. Là, je suis à une période de mon chemin, ça fait un peu plus de 10 jours. Je suis sur la période la plus difficile du chemin. La période où la fatigue se fait ressentir. Pour moi, quelques douleurs, c'est normal. Je fais des choses que je ne faisais pas avant. Je fais plus. Je me lance des défis depuis le début. Et je regarde là-bas, je piste ma reine, si elle arrive ou pas. Et donc là, au niveau psychologique et physique, j'arrive sur la période la plus difficile. Donc, il y a des journées, il y a des choses qui sortent. Il y a des journées, psychologiquement, des journées de larmes, beaucoup. Ces 2 ou 3 derniers jours, j'ai beaucoup pleuré, mais il y a des larmes positives d'émotions. Il y a des larmes de choses qui sortent, des choses qui apparaissent. Mais ça, ça fait partie du chemin. Il faut en passer par là. Donc, ça se passe bien. Ça se passe bien. Parce que hier soir, c'était plutôt une journée sans pour moi, une journée pas très bonne. Pourtant, juste avant, j'avais vu des choses magnifiques que vous allez voir sur mes vidéos. Mais par la suite, j'ai vécu autre chose. Et voilà, d'autres choses se sont mises en place. D'autres choses, ce matin déjà, on partait sur d'autres ondes. On partait sur des nouveautés, des solutions. C'est ce que je voulais vous dire. S'il n'y avait pas de solution, les problèmes n'existeraient pas. Donc, à toute difficulté, à tout problème, il existe une solution. Il suffit juste de se concentrer profondément pour les trouver, y réfléchir. Attendez. Vous voyez, il y avait une voiture qui passait. Donc là, j'attends que ma reine arrive et bonjour, bon courage. Voilà, il y en a qui font le camino, le chemin de Compostelle en vélo. Il y en a qui le font à pied comme ma reine, beaucoup qui le font à pied. Et moi, je le fais moitié à pied, moitié voiture. Voilà. Donc, mais j'attends que ma reine arrive. On va attendre, enfin je vais couper et je vous reprends dès qu'elle s'approche de moi.
J'espère que pour elle, ce sera pas trop long parce que finalement, j'ai trouvé assez vite un coin pour faire la pause à un peu plus de la moitié route, de la moitié de l'étape, pour faire une pause un petit peu casse-croûte, petit-déj, quelque chose qui nous retape. Et je la vois au loin, mais elle est trop loin pour que je vous la filme. Alors, je vous laisse et je vous reprends dès qu'elle est à portée de caméra. La voilà qui arrive. La voilà qui arrive. Je n'ai pas rêvé. Non, tu n'as pas rêvé. Je voyais bien une silhouette de loin qui ressemblait à toi sur ton fauteuil. Et oui. Et la silhouette, elle a trouvé un coin. Elle a trouvé un petit coin pour qu'on mange le pain au raisin. Ah oui. Et ta tente est en train de sécher. Très bien, elle est où? Eh bien, c'est par là. D'accord. Ah oui. Voilà, j'ai eu le temps de tendre le fil à linge et de tendre carrément, bien sûr. Bien. Comme ça, le temps qu'on mange, voilà, ça va sécher tranquillement. Le pain au raisin, on va pas me faire un grand repas. Parce non, que juste le pain au raisin. Sur les 10 km, j'ai à peine fait 5. Hein. Je sais même pas si je les ai fait. Ah d'accord. Ah, bon, mais on va regarder ça. Voilà. Donc, on va prendre le pain au raisin. De toute façon, j'avais envie de le manger maintenant. J'avais un petit creux. Oui, un petit creux, oui. Et je vais repartir. Puis après, honnête, on fera le point si je continue ou pas. D'accord, on va voir ça. Allez. Allez, on vous laisse et nous, on va manger. Coucou, coucou, coucou. Vous allez le voir, elle ne marche pas, elle court, j'ai raison. Vous allez voir, je vous montrerai ça après. Bon, ben voilà, la tente est sèche, le pain au raisin est mangé, la pause est faite. Donc, ma reine range. Tac-tac-tac-tac. Elle a le coup de main, hein. Vous remarquerez que bon, depuis le temps qu'elle part avec sa tante, elle a le coup de main. Il n'y a pas de souci. Chaque chose a sa place. Tic-tac-toc. Et chaque place a sa chose. Et chaque place a sa chose. Ah, oh, c'est dur à dire, hein. C'est dur à dire, dis donc, hein. Moi, j'ai plus qu'à enlever ma corde. Et voilà, on va être reparti dans quelques minutes. Direction, mais on est pas loin, hein, Onès-la-Harry. Ouais, Onès-la-Harry. Voilà. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Go, 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 go. On peut pas te dépêcher un peu, non? Allez, 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 dépêche-toi. Yeah. Allez, on vous laisse. Avant qu'elle me mange. Allez, nous, on repart. On a fini la pause. C'est parti. À tout à l'heure, ma reine. Oui, à tout à l'heure. Mais c'est pas vrai, elle repart en courant. Mais ça va pas la tête. Doucement, doucement, t'es presque arrivée. À tout à l'heure. Je vais plus vite que toi. Mais ouais. Allez, à tout à l'heure. Mais non, je te jure, elle est incroyable. Elle a trouvé le moyen de me dépasser en courant. Vous voyez ça un petit peu? Allez, moi je continue à avancer. Tranquillement.